Du tout le monde, c'est Solution Trophée. On se retrouve aujourd'hui du coup pour se faire une nouvelle épreuve qui s'appelle Spécial Stripant. Donc c'est pas vraiment une nouvelle épreuve comme j'ai l'habitude de le dire, c'est pas une épreuve inédite, mais c'est une épreuve qui existe déjà mais qui se joue tout simplement en mode chronomètre. Donc là cette fois-ci ça sera le strip sud qui se jouera en chronomètre, donc ça c'est vraiment bien. Parce que le strip sud, bon, on a toujours eu l'habitude de la faire, mais avec des PNJ. Et donc là, c'est hyper près. Ça, c'est vraiment, vraiment bien de la faire, mais là, sans concurrent. Alors, cet emplacement d'épreuve, je le connais depuis que la mise à jour est sortie, depuis 8 septembre. Là, je connais cet emplacement. Donc, c'est pas la première fois que j'ai vu cet emplacement, mais ça fait un moment que j'ai vu ça. Même avant la mise à jour. Qui sortait, ben, il y avait un emplacement vide, puis quand les élèves sortaient, il y avait une structure d'épreuve à cet endroit-là, alors que de base il n'y avait rien. Et j'avais supposé qu'il pourrait y avoir le strip sud qui pourrait se faire en spécial, c'est exactement le cas. Prêt pour le special numéro 5 de l'USP Tour West? Las Vegas au Nevada. Découvrez le strip, les casinos et les lumières. Viva Las Vegas! Alors cette épreuve, ça va plus souvent vous rappeler des souvenirs parce que ces épreuves-là, bah, ça fait partie des tout premières épreuves de jeu. Donc de base, sur le jeu vidéo, il n'y avait que 16 épreuves à la sortie. Et dans la catégorie Street Racing. Et cette épreuve faisait partie des 16 épreuves de Street Racing. Alors vous pouvez me demander comment j'ai fait pour savoir qu'il n'y en avait que 16 à l'époque, puis maintenant il y en a 71 d'épreuves, mais... Parce que moi, il s'agit que je note tout ce qui sort sur ce produit, je note, hein. Donc je sais exactement. Mais je connais pas la date de sortie de toutes les épreuves, ça par contre j'ai pas noté. Mais par contre, j'ai marqué toutes les épreuves qu'on a, donc combien il y en a au total, et combien sont sortis en DLC, et combien sont sortis à la sortie des épreuves. Et donc bah, je peux vous montrer totalement tout ça. Peut-être non, vous me dire telle épreuve, enfin pas telle épreuve, mais plutôt à combien il y en avait et puis maintenant combien il y en a après quoi. Par exemple, les épreuves de Rallycross, il y en avait peut-être que 5, 6 à la sortie, et maintenant on se retrouve avec plus de 21 avec une mission Rallycross par exemple. Ils passent le checkpoint, ils approchent de la fin. Qui va laisser son empreinte? Enfin, je ne me rappelle plus exactement, mais... À vérifier quoi. Bah, je vais vérifier sur mon PC pour voir, mais il y en a de Street Racing. Et bah au total il y en a 72, donc vous voyez. Il y a 72 à l'heure actuelle, en comptant cette nouvelle mission, il y en a 72. Donc c'est comme énorme. Hein. Des épreuves, hein. Comme beaucoup. Donc l'épreuve d'origine, elle est ici. Voilà, donc l'épreuve d'origine chez celle-là, vous voyez, le strip sud. Et l'épreuve spéciale du strip sud, et ben c'est celle qui est ici, donc complètement là. Donc à l'époque, ici à l'époque, il n'y avait rien. Ici, il y avait juste que de la pelouse. Alors ça existait déjà, toutes les petites structures qui étaient là. Et par contre, ici, il n'y avait que de la pelouse. Et puis après la mise à jour, donc après la mise à jour de la maintenance du 8 septembre, et ben il y a eu cette structure qui est apparue après. Donc j'avais deviné. Il y allait avoir quelque chose exactement ici et c'est exactement le cas. Alors je savais pas du tout qu'il allait y avoir quelque chose ici, mais j'ai deviné et il se trouve que c'était le cas, donc je suis assez content de moi, on va dire, d'avoir trouvé. Voilà, donc l'épreuve du coup se trouve du coup et ben à Las Vegas, donc deux nouvelles épreuves du coup, emplacement d'épreuve à Las Vegas, ça fait vraiment plaisir. On aimerait bien avoir des nouveaux emplacements à Chicago, hein, parce que Chicago on a quand même rien. Ça serait bien que le Speed Tour fasse un petit coucou à le Chicago quand même, parce que bon, je dis pas ça, mais bon, on a quand même que Electric City, là, je sais plus c'est quoi la mission, que celle-là, hein. Donc bon, bonne mission, mais qui se joue uniquement en moto, quoi. Donc bon. Donc du coup, eh ben, je vous retrouverai eh ben, à samedi pour une nouvelle épreuve, du coup, eh ben, de... Alors, je sais plus c'est quoi, une nouvelle épreuve, du coup, de Rallycross inédite. Et une épreuve spéciale qui sera du coup de Touring Car, du coup lundi prochain. Donc, et ben, à samedi, c'est les solutions trophées.